Salut les amis, pour cette vidéo, nous allons passer la nuit dans un hameau abandonné, enfin plus précisément dans la seule bâtisse qui tient encore debout. Le chemin était un peu difficile, on est parti nuit malheureusement, c'était pas prévu. C'est-à-dire qu'on est parti un peu sur un coup de tête. Donc je suis en compagnie de Tony et Max et du petit nouveau. Je vous présente Spikey. Voilà. Qu'est-ce qui est marqué? Regarde une personne honnête. Putain, je crois que c'est fermé en dedans. Non, c'est fermé. Là, je crois qu'on est un peu dans la merde. Bon les amis, c'était pas prévu. La porte est fermée. On vient de se taper une heure de route. C'est un peu plus d'une heure de route. Quand on est parti, thermomètre de la voiture, il affichait moins 3 degrés. Là on est frigorifié. Et le seul lieu où on pouvait techniquement dormir, vu qu'on n'est pas parti pour bivouaquer, donc on n'a pas de tente. Le seul lieu où on pouvait dormir, bah, le lieu est fermé. Donc on va essayer de trouver une solution, voir s'il n'y a pas un autre accès. Bon, malheureusement c'est hors cam. En fait il fallait pousser un peu plus fort. Max a mis un petit coup d'épaule. La porte s'est ouverte. Bon bien, du coup je suis rassuré, on n'est pas à la rue ou à la forêt. Je fais un petit tour, oh, que ce soit bien vite, qu'il n'y ait pas quelqu'un. Bon, c'est bon. On est impeccable. Bon, voilà, on a posé l'affaire comme on pouvait. Donc la vieille crainte, hein, c'est d'Airsoft, c'est à Max. Il s'est équipé. Ah, c'est qui? Il a eu peur. Ah, ben c'est génial, les gars, regardez. C'est cool. Donc ici, pour vous montrer en gros, il y a l'esprit de partage. Ça, c'est ce qui avait dit à disposition de tout le monde. Et bon, contrepartie, quand on prend, on laisse quelque chose. C'est-à-dire qu'on vient pas se servir et puis on se casse sans rien laisser aux autres. Hein. Donc on laisse toujours quelque chose. Ça, c'est génial, c'est excellent, c'est cool, j'adore ça. Il y a de quoi se faire un peu de vaisselle, enfin, cuisiner. Ah, attention, les vieux bouchers. Et là, on a de la pharmacie. Hein. Il y a des médicaments. Tu peux me tirer le tiroir, s'il te plaît. Ah, il y a d'autres. Ça y est. J'ai fait des préservatifs aussi. Les gars. S'il y en a qui s'approche de moi ce soir, je l'éclate. Spikey a fait le tour du propriétaire, ils sont chez lui déjà. Bon, moi je propose déjà qu'on sache un petit peu ce poil. Apéro. Allez, bon. Mais on va quand même allumer une bûche là parce que je vous avoue que là les nuts, elles sont toutes petites, elles ont vraiment la tête de noisette là. Ah du PQ, c'est merveilleux, j'ai vu bien le mien à la maison. Ouais. On va faire un petit apéro, tranquille. Si, il y a plus du coca, oui. Tu m'as dédié au bar, alors. Ah, c'est du bien. Oh, je vais arrêter. Alors, tiens, doucement. Allez, bien. C'est un chat ou c'est un T-Rex? Ouais, t'as vu. C'est un chihuahua. Une arme de guerre. C'est un chat exploit. Alors les amis, j'ai oublié de vous parler d'une chose, cette vidéo est entièrement sponsorisée par le saucisson Fion d'Or. Et franchement, c'est un goût de fion. J'aime le Fion d'Or. Ah, j'adore. L'incendie meurtrier, il y a eu apparemment des querelles meurtrières. Et apparemment, ici, il y a pas trop longtemps de ça, il y a un youtubeur qui est venu tourner une vidéo ici et il se serait fait tirer dessus. Il se serait fait déloger par un type énervé qui aurait tiré avec un 22 apparemment, si c'est ce que j'ai bien vu sur la vidéo. Quoi. Donc le type était vénère, parce qu'apparemment il serait attaché au lieu, puis ça l'ennuie que des gens viennent séjourner ici. Quoi. Et côté angoisse, il y a les cendres, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est un des derniers habitants du village qui ont été répandus autour de sa maison, donc qui en ruine un peu plus loin. Je suis un beau gosse, je suis un beau gosse, je suis un beau gosse, je suis un beau gosse.
Blacky. Blacky. Qu'est-ce qu'il y a? Il a entendu quelque chose. Blacky. Blacky. J'ai mis pour un lui. Il fait plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ouais grave. Bah écoute, on va. On va juste rester sur nos gardes. Là, pour info, j'ai le chien là qui a grogné. Il a grogné dans la porte. J'ai ouvert juste pour voir ce qui se passait. Il est sorti comme un fou. Normalement il grogne pas. Quand il grogne c'est qu'il y a quelque chose, qu'il y a un animal, quelqu'un qui connaît pas quoi. Donc là je sais pas s'il a entendu un bruit, si écoute on va voir. Qu'est-ce que t'as entendu? Une fois. Là par contre je commence vraiment à me geler les cacahuètes là. Allez Max, il vous fait chauffer un peu d'eau, histoire de réchauffer un peu l'atmosphère. Et donc on va pas tarder à se coucher. Quelle heure il est? Il est 3h? 3h. 3h. Ouais, 3h11. 3h11 du mat. On va pas dormir beaucoup, vu que moi je me lève vers les 5h. Bon, bien les amis, il est 3h50. On se couche enfin. Bon, personne n'est nu. Pas de coup de fusil. Ça s'est bien passé, c'est nickel. Bon, du coup, on se retrouve demain matin. Allez, tchou. 6h23, j'ai la touffe. Petite nuit de merde. Ouais, de merde si on peut le dire. Max, ils sont plus ses pieds, complètement congelés. Moi niveau froid, niveau pied, tout va aller. Pas de soucis, c'est le haut. J'espère qui m'a remonté la couverture, j'ai les mains dehors. J'ai ma main flinguée qui pendait avec le bout des doigts gelés là, et l'autre main pareil. C'est génial, donc un petit café pour se réchauffer. Il n'y a pas de coiffeur dans le coin, là j'ai une touffe de dingue. Je ne me suis pas encore coiffé, mais je pense que je vais mettre un bonnet. Du coup, là, on sort et un petit kawa. Allez, c'est parti. Bien, les amis, cette vidéo touche à sa fin. La nuit a été extrêmement froide. On s'est pelé les cacahuètes. On s'est couché hyper tôt d'ailleurs. On s'est couché vers les 3h, 3h26, hyper tôt, hein, puisque c'était le matin. On n'a pas eu de soucis, rien de spécifique, personne n'est venu nous voir, nous déranger. On n'a pas eu le berger tiré avec son fusil quoi. Spiky lui, il s'est éclaté comme un dingue, donc c'est vraiment sa première sortie de clos, et pas la dernière. Il y a un bon comportement, bon, pas que c'est petit. Sur ce les amis, on se laisse, juste un petit détail, ceux qui connaissent le coin ou qui comptent s'y rendre. Repartez avec vos déchets, c'est un souci majeur ici, beaucoup de gens viennent, passent la nuit, puis se barrent en laissant leurs déchets, puis bah, c'est les personnes de l'association qui s'occupent de retaper ce village, qui s'en mettent à les descendre, voilà, donc repartez avec vos déchets s'il vous plaît. Allez, tout de suite les amis, à bientôt.